Avant que la vidéo commence, j'aimerais remercier Huawei.com qui me sponsorise. C'est un site qui vend des items Rocket League et vous pouvez avoir 3% de réduction avec le code SNIPE. Bonne vidéo! Bienvenue dans le Crossbar Challenge. Les règles sont simples. Une map, Stat Throwback, je sais pas comment on dit en anglais là, nique sa mère. Les joueurs doivent partir du dernier boost de la ligne centrale. Ils ont alors boost limité et doivent frapper la balle de manière à taper soit le poteau, soit la barre transversale, soit l'équerre. Un poteau vaut 3 points, une barre transversale vaut 5 points et une équerre vaut 10 points. Et peu importe ce que vous touchez, du moment que c'est rentrant, vous gagnez 1 point en plus. Salut les amis, c'est Marie-Le Monde. Je croyais vraiment que t'étais en train de la faire le jeu de plan mec pendant 5 secondes. Ouais, vas-y, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Snipe. Aujourd'hui, on est en compagnie de Az. Bonsoir. Bonsoir. Mec, je m'attendais à ce que tu fasses yo les gens. Bonsoir. Ok, non, ouais. Autant pour moi. C'est-à-dire, on va faire un nouveau concept qu'on a pensé à faire, qu'on a trouvé vachement sympa. Ça va être le Crossbar Challenge. On va juste directement créer une partie privée. On se met temps illimité. On est d'accord. On se met boost illimité. Ouais, c'est parti. Sur la map. Sur la map. Je sais même pas comment elle s'appelle la map. Vas-y, commence, je te laisse l'honneur. Je commence. Je suis le ramasseur de balles, vas-y, c'est parti. C'est chaud. Ramasseur. T'es chaud ou pas? Allez, vas-y. Ok, une crossbar. Une au compteur. Ce qui me fait donc, si t'as bien suivi, 5 points. C'est ça. Je pars sur ramasseur de balles, c'est parti. Donc là, l'équerre, attention. L'équerre, c'est le feu. C'est le Graal, quoi. C'est vraiment le truc. Bon, j'y vais, hein. Vas-y. Je crois qu'il faut que j'y aille. Allez, vas-y, c'est parti. Je te sens chaud. Je suis chaud. Attention. Je suis chaud. Crossbar. Crossbar réussi. C'est la mise en bouche. C'est la mise en bouche. On assure les points. Il va falloir que je tente un petit écart. Vas-y, je suis ramasseur. Ah oui, merde, dernier boost, c'était celui-là. C'est lequel? Ouais, le dernier boost. Ah oui, merde, pardon, je t'ai pas perdu là-dessus sur le premier. Merde, c'est parti. Attention, j'ai une bonne visibilité là. Dommage. J'ai tenté, mais en fait, comme j'ai tenté l'équerre, j'ai pas réussi à lever trop. Putain, ok, my bad. Toujours 5 à 5. À toi, ramasseur de balles, position. En haut, t'as une bonne visibilité, j'ai vu. Ah, je vois bien tes trucs. Bien ton move. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, c'est préparation là-bas. Regarde-moi la préparation. Je pense que je vais jouer safe et je vais mettre une barre, comme ça je vais te doubler un peu. Puis après, je tenterai une équerre. Boum. Ok, propre. Pas mal. Après je vais jouer fun, et je vais tenter les trucs durs. Ok, non, mais pas de soucis, t'inquiète. 10-5 pour toi, ok. 10-5. Va falloir tenter des trucs là. Il va falloir tenter effectivement. Dis-toi que si tu mets une équerre, tu me redoubles de 10 points. Ouais, j'avoue, faut que je mette une équerre. C'est parti, attends, je me chauffe, petit chauffement. Petit 3-6. Oui. Chauffement mental. Je te sens chaud là. Je suis chaud bouillant là. 3. Allez, là, c'est parti, je me lance. Oh. Poteau. Ah oui, poteau. Okay. Poteau rentrant, un but en. Poteau rentrant, du coup ça fait 3 points, plus ça fait 4 points. Nice. Attention, il s'est entraîné. Attends, je chauffe mes crampons là. Allez. Aïe, merci. Allez, chauffe-toi. Je te sens chaud là. Je massacre mon joystick, mais attends. Je peux plus jouer. On est parti. Il s'élance. Oh, et 40-30. Oh là là. Attends, regarde le replay. Oh non, mais je me suis fait déchiqueter. Équerre là? Oui. On compte. Ouais, ok, on va compter équerre. Ça a touché le noir. Ok, on va. Nice. Équerre, ça part en du noir, ok. Ok, chauffement. Tour de crampon également. Toi, c'est pourquoi j'ai mis mon écart, parce que j'ai fait un échauffement de crampons. Ouais, j'avoue. J'ai mis des crampons vissés, tu vois. Je mets Adidas. C'est parti. Faut que je mette une écart là, sinon je me fais baiser. Ah. Et putain, je suis pas.
Je suis parti un peu à gauche au début, en fait non. Putain. Je crois que t'es dit de pas être En fait on aurait dû filmer ta vie à toi. Mais je me rattrape, vous inquiétez pas. Là t'es à 21, 21-9 en toi. Ouf, et toi? Moi je suis à 9. Rate-toi, rate. Non. C'est ça. Allez. Ok, à cause barre. Ok, il a sur les 5 points, il a sur les 5 points. Oh, l'équerre! Yes! Il est refait. Ah, come on! Ah oui, là j'assure des points, là, Kev. Je sais pas si je tente une équerre, j'ai envie de jouer safe. Je te déstabilise, là, je sens. Oui, je le vois. Je te vois, là. Attends, je fais un tour de grand pont. Voilà. Nike, hop. Second poteau, Pavard! Oh putain, le bâtard. On se ressaisit. Allez, sniper. Sniper, la fusée. Allez, fusée, les gars. Allez. Il faut que je me mette une équerre là. Si je attends, me mets une déstabilise aussi. Ah, là, c'est bon, moi j'y vais. Moi je cherche pas à comprendre. Oh! C'est équerre ça, non? Je sais pas, j'ai pas vu, j'étais derrière. Merde, je crois que ça a fait. Je crois que ça a tapé. Enfin, le poteau, mais au niveau du noir, je crois, ça a tapé là. Si je dis pas de conneries. Faudrait aller voir le replay, monsieur l'arbitre. Faudrait aller voir le replay, ouais. On voit sur la caméra que le ballon a légèrement touché le noir. L'équerre est accordée. Totalement prêt, l'arbitre est chaud bouillant. Vous pouvez y aller. Au pire, mec, mets-toi là, regarde. Mets-toi là, tu verras mieux. Genre si ça tape le noir ou pas. Parce que derrière. Ah, mais je suis ramasseur de balles. Oui, mais tu... c'est pas compliqué. Vas-y, on observe, vas-y. Commentateur, vas-y. Là, j'ai un bel angle, mec. Regardez le joueur dans sa course, regardez-le. Arrête, tu me déconces. Non. Yes, c'est le fail les amis, ça veut dire que tout est possible à présent. Alors là les gars, on va tenter le beau jeu, on va tenter l'IKEA. Attention, c'est parti. Oh, c'est le fail. C'est le big fail. C'est le bide. Putain, c'est le gros bide, bordel. Ah oh, putain, je vais plus repasser devant là. Mais il va se rater, 100%. Ah, je fais le mal. Je t'observe. Oh, il a démarré. Non. Quel bâtard. Yes. Ah, il est gentil. Il est quand même gentil. Hein. Hashtag merci mec. Encore une fois dans les commentaires. Oh, je l'ai frôlé. Oh là là, yes. T'as fait la fusée. C'est vrai. Ok. Tu m'as déconcentré, je t'ai vu. C'était notre 7ème tir là, j'ai encore 3 tirs pour me rattraper là. Pour que tu le rates. Allez. De toute façon, tu vas pas rater. Allez, 3, 2, 1. Attention, il y a une blouse qui est mal. Barre transversale, ok, barre. Ok. Petit plus 5. Je prends. Petit plus 5. On le rappelle. Je suis tellement malade, tu vois, je pars, tu vois, direct. Ah, comme ça. Ah ouais. Oh, il passe au-dessus. C'est le bide. Alors là, les gars, là, j'ai une chance. J'ai une chance incroyable. Là, tout se joue. Je rappelle les scores, 36-34. Là, c'est le moment d'assurer, là. C'est parti. Non. Ouf. Oh. Ok. Ok, plus 5. Attention, je passe devant. Je passe devant. Et ça passe. Solide. Solide, ce qui nous ramène à 41-39. C'est tendu, hein. C'est très très tendu tout ça là. Dernier tir chacun. Le tir qui... Si je me rate et que tu le mets, t'as gagné. Et si tu le rates, t'as perdu. Ah là, celui-là, il fait mal. Hein. Fais gaffe, si tu le rates, t'as perdu. Ah là. Merci d'attendre. Alors attends, la question qui se pose, c'est que, est-ce qu'on tente une équerre à 10 points pour assurer la victoire? Ou alors, on assure une barre? Vas-y, on va jouer le beau jeu. Les amis, on va jouer le beau jeu. Ah. On va jouer l'équerre. Ah, je te sens tendu, là. Je te sens tendu. Okay.
Allez, bestiaux. La fusée. Bestiaux. Un petit. Allez, allez, mon poulain. Petit tour de crampon. Désolé. C'est parti. Ah, j'ai une tension, je t'imagine même pas. Toutes les souris, je galère là, je trempe sur mon cahier. 3. Mec, je transpire des mains, mec. 3, 2, 1. Et je ferme. Oh, c'est le bide. Oh, j'ai trop dérapé, je suis passé à côté. Oh, le gros bide. Oh, dur. Oh, sec. Oh, j'ai perdu. Vas-y, mec, de toute façon, t'as perdu, mais pour le beau jeu, vas-y, je t'en finis. Putain. Oh, dur. Oh, oh là là, j'aurais... Si tu l'arrêtes, ça veut dire que j'aurais pu gagner avec une barre. Vas-y, je tente le beau jeu. Parce que t'as passé à 3 mètres à côté. Olé. Oh, l'équerre, joli. Merci. Ce qui nous fait un total à la fin de 51 à 39. Avec l'équerre là ? Avec l'équerre. T'étais avec un. Bravo. Bravo à toi, je suis fair play. C'était un beau match. Bon, ben voilà, on espère que ce petit concept vous a gagné. Voilà. Oh, je fais des outros déglingués moi maintenant. On espère. Avec un petit freestyle ou pas ? Ah, les petits freestyles de base, on regarde. Ah, désabonnez-vous de là, non? Ah oui. Non, donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. On essaiera de faire un concept sur la chaîne de Az également. Où je viendrai cette fois-ci le rétamer, lui mettre sa branlée conjugale. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, elle est dans la description, il fait du bon travail. Il est à peu près comme moi, on est à presque à 12 000 abonnés tous les deux. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, il fait des bonnes vidéos comme moi. Il fait du bon freestyle, si vous voulez voir, par rapport au mien. Ouf. Et puis voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu et on vous dit bye les gens. Ciao ciao. Salut.